Salut à tous, et donc on se retrouve. Alors aujourd'hui j'ai reçu, voilà, des hooks. Donc j'avais pas prévu de faire une vidéo unboxing. Donc ça peut s'accrocher au mur, ça peut également ces magnettes, hein, donc pour les portes des frigos, c'est des accroches clés. Voilà, avec des personnages de One Piece, donc avec Robin, Nami et Boa Hancock. Là on peut voir, il y en a trois de différentes. Donc là on remarque bien le maillot rose. Le maillot rose pour la Nami aussi, et la boa avec la tête un peu triste. Et il y en a trois autres, donc avec des couleurs différentes et aussi des gueules différentes, hein. Donc là la boa, elle est beaucoup plus classe, beaucoup plus... voilà. La Nami avec cette fois un maillot vert, et la Robin avec un maillot bleu. Voilà. Donc on va voir un peu ce qu'on a dans cette boîte. On va ouvrir, si j'y arrive, attention. Tada! Donc techniquement c'est du aléatoire, hein. C'est des trucs qui s'achètent en magasin, voilà. Donc je vais mettre la boîte comme en magasin, comme ça on pourra se faire une idée. Voilà, donc techniquement ça se présente comme ça en magasin japonais. Bon, techniquement en fait ça se décolle un peu sur les côtés, d'ailleurs là c'est un peu abîmé. Mais là ça me ferait mal au cœur d'abîmer cette jolie boîte, hein, collector quand même, hein. Voilà, au niveau de la boîte c'est tout ce qu'on peut avoir. Dans celle-là, boa, et donc les 6, voilà, les 6 qui sont présentés ici. Et donc on montre bien, donc ici le magnète, et là pour l'accrocher au mur, voilà. Donc c'est sympa si on a des porte-clés One Piece ou autre, hein. Allez, j'ouvre. Comment? Ok, il y a de l'alcool, c'est pas vraiment une boîte, hein, c'est pas une vraie boîte. Allez, c'est un peu comme les stealings. Les stealings, c'est un peu le même principe. Donc, on ouvre, et la première... c'est une Nami, donc on retrouve le magnète, l'accroche, c'est assez grand quand même, hein, comme vous pouvez voir. Et donc la Nami, ok, attends, on va ouvrir, et ah, voilà, bah sympathique, sympathique tout ça. Je vous montre bien en gros plan. Donc aussi vous pouvez voir deux points blancs au niveau des dessins, hein, on peut le dire. C'est pour faire ressortir la poitrine, hein. C'est carrément un truc de fanboy qui coulole, hein, clairement, hein. Donc ça me correspond bien, on va dire. Un peu WTF, on va dire. Bref, ouais, sympathique, sympathique, vraiment sympa. Et donc, contre un mur, hein, ou autre, hein, contre une porte de frigo, bah, ça fait tout de suite classe, hein. Par contre, là, on a l'impression, ouais... le sein est pas bien collé à la main, en fait on a l'impression qu'il aplatit, hein. Voilà, mais bon, de face ça se voit pas trop. On va tout de suite passer à la deuxième. Je vais vérifier qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte. Ouais, il n'y a rien d'autre, donc on va passer tout de suite à la deuxième boîte. Attention, hop, le petit éclatement de la boîte. Attention, la deuxième, il s'agit de oh bah c'est la deuxième Nami, donc avec un maillot de bain d'une couleur différente. Keter, mon ami. Hop. Voilà. Alors, au niveau des différents, je crois qu'il n'y a que la couleur. Elle est plus sympathique, je trouve. Elle est plus sympathique que la verte. Encore que. La gueule est exactement la même. Il n'y a que la couleur des sous-vêtements qui change. Et le même problème, je veux dire, au niveau du sein. C'est quand même assez visible, hein, ce défaut. Voilà. On passe à une autre bobotte. Hop. Et celle-là, elle souffle plus difficilement que les autres. Regardez-moi ça, comment elle était collée, comme pas possible. C'est pas possible d'être autant collée. Oh là là! Oh là là! Putain, ça va être du lourd là. Ça va être du lourd, ça va être de la boa. Attention. Et c'est. Ah, c'est Robin. Alors, on peut voir que la main est emballée dans du papier bulle. Donc, là, on est avec le truc rose. Alors, hop, voilà. Donc, ouais, la petite main, hein, qui sort de nulle part, c'est bien. Hein. On peut remarquer à l'intérieur, en fait, des cheveux, il y a une petite mèche rebelle. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais assez sympathique. Le visage est plutôt réussi. Hein. Il y a un petit défaut sur la chemise, là. Ici, c'est un peu dommage. On retrouve les petits points, hein, au niveau des seins. Hein, c'est toujours le petit truc. Hein, même si on dirait un peu un Smarties sur le côté. Ouais, et c'est clair qu'elle a des défauts sur sa chemise. C'est dommage. On va voir l'autre si c'est le même cas.
hein, si on arrive à tomber sur l'autre directement, hein, parce que pour l'instant on a fait un peu au niveau de l'ordre. Ah bah celle-là, encore, celle d'avant il y avait quasiment pas, il y avait trop de colle, et là il n'y en a pas assez, hein, ça s'est ouvert direct, voilà. Alors là il s'agit de, ah bah là on est sur de la boa, alors déjà au niveau taille on est carrément plus grand là. Ah ouais, clairement. Et il y a aussi du papier bulle pour protéger. Donc là, du coup, c'est quoi? C'est la queue du serpent, je crois. Donc voilà. Donc là, elle tire un peu la gueule. Là, elle tire un peu la gueule. Voilà. Par contre, c'est Salomon. Ça y est, je sais plus le nom du serpent. Mais il est bien fait. Il est super bien fait. Par contre, la boa, ouais. Bon, elle tire là un peu la gueule. C'est la figurine qui veut ça. Enfin, la figurine. On se comprend. On retrouve les petits points. Mais ce que j'aime bien, c'est les dégradés sur la peau. Hein. Alors, que ça soit au niveau... de la robine, de la boa, c'est surtout de la boa en fait, parce que là bon là quand même il y a aussi des dégradés, hein, mais sur la boa ça se voit beaucoup mieux. Au niveau level de poitrine, bien sûr c'est de la boa, hein, ça claque. Donc il y a la petite queue, hein, pour accrocher ce qu'on veut. Normalement c'est ses clés, hein, mais on va dire ce qu'on veut. Et alors vous voyez, c'est assez plat, hein, quand même, mais contre un mur ça donne du relief au mur, on va dire. On va passer aux deux dernières. Hop, hop, hop. Allez. Est-ce que je vais réussir? Ouais. Donc là, on a la deuxième boîte. Donc techniquement, qui sera mieux que celle-là. Je regarde sur l'arrière de la boîte. Ouais. Allez, allez, allez. Là, on a un visage beaucoup plus souriant. C'est déjà beaucoup plus sympa. Alors, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. C'est vraiment que le visage. Hein. Comme vous pouvez voir, il y en a un qui est triste et l'autre, enfin triste, je sais pas trop si c'est triste, et l'autre qui est plus souriant. Donc moi je préfère celle-là, surtout qu'il n'y a pas trop de différence. Hein. Celle-là, elle déchire. Voilà. Allez, on passe à la dernière qui sera une robine, normalement, hein, si tout se passe bien. Donc là, pas beaucoup de colle. C'est cool. Donc il n'y en avait qu'une qui était collée, vraiment collée de porc, on va dire. Donc la robine. Avec le soutif bleu, ah, yep. Ouais c'est ça, bleu un peu de la même couleur que les cheveux, hein, au niveau des ombrages. D'ailleurs les ombrages des cheveux sont vraiment sympathiques sur la robine. Et là on a la chemise qui a changé de couleur. Donc, par contre du coup elle se retape pas les mêmes petits défauts de peinture. Il y a la chemise qui change de couleur ainsi que le maillot de bain. Bah du coup elle est mieux, hein, parce que celle-là elle a pas mal de défauts. Hein, donc c'est celle-là que je mettrai. C'est dommage parce que celle-là, elle était pas mal quand même. Avec la chemise blanche, elle colle plus à la robine. Ah, je sais pas. Du coup, j'hésite. Alors, c'est vraiment peint. Hein, c'est pas un effet brillant. Hein, ça donne l'illusion d'un effet brillant. Il y a des petits points de peinture pour faire simuler, en fait, un petit point de lumière. Voilà. Sur les hanches, c'est pareil. Voilà. On va faire un résumé de tout ça, de tout ce qu'on a déballé. Toutes sont déballées, je sais déjà que vous avez vos préférés. Donc mes préférés pour moi, pour la Nami, ça va être la verte. Le maillot vert est beaucoup plus sympathique que le rose. Hein, le rose il est un peu trop aguicheur, je dirais. Alors que le vert bah, est plus sympathique, hein, avec la couleur des orangés de Nami, hein, du bateau. Donc c'est pas orange, hein, c'est vert, c'est les espèces de petits sapins, on va dire. Voilà. On va passer maintenant à ma préférée de Robin. Donc ça va être celle avec la chemise blanche malgré tous ses défauts. C'est peut-être celle qui colle le mieux en termes de tenue, on va dire, au personnage. Sa chemise blanche, ouais, c'est clair que c'est du Robin. Chemise rose, non, pas trop. La main qui sort comme ça, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Allez, on passe à la boa, ma préférée. Bon, là, il n'y a pas de suspense. Hein. C'est vraiment... celle qui tire pas la gueule, donc avec la petite queue de serpent là cette fois pour faire l'accroche, hein. Comme c'est une collection qui s'appelle Hook, hein. Hook ça veut dire crochet en anglais pour ceux qui se posent la question, parce que celle qui tire la gueule, bah voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas photo entre les deux quoi, hein. Voilà pour ce petit unboxing improvisé, hein, donc c'est pas super bien présenté, mais bon, c'est, je viens de le recevoir, j'avais envie d'ouvrir, et donc d'ouvrir avec vous forcément, voilà. Allez, salut tout le monde et à la prochaine !